Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Tribune de presse, dernier numéro de la semaine. Eh bien, je reçois encore une fois, pour la deuxième fois, pour leur deuxième fois, Maître Steve Kivuata. Il est porte-parole de Nouvel Élan, une nouvelle structure de l'ancien Premier ministre Mozito, un nouveau parti politique. Et puis la Moukass, qui est une plateforme politique de l'opposition, bon, on va dire de l'opposition, mais en même temps de la présidence élue, on va le dire comme ça. Maître Steve Kivuata, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. On nous dit que vous êtes avocat de Mike Mukebayi, vous êtes conseiller de Mike Mukebayi, est-ce vrai? Non, précisément, au fait, je faisais partie du collectif. Nous l'avions accompagné au parquet général, plutôt au parquet de la Gombe. Et bon, par après, le collectif est composé de beaucoup plus d'avocats. Son avocat principal, c'est Maître Papi Mbaki. De temps à autre, j'accompagne le collectif. Est-ce que vous êtes avocat de Monsieur Lissanga? Non, lui, je ne fais même pas partie du collectif. Je pense qu'il a recouru au service de Maître Théodore Ngoy. Alors, nous allons, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes avec Maître Katende pour la deuxième fois, exceptionnellement. Nous vous reprenons encore parce qu'il faudrait éclaircir. Il y a une question, c'est la question du retour de Kabila, on en parlera peut-être dans la troisième question. Mais là, l'actualité, c'est Dolly Gate, cette affaire de Dolly Makambo. Un responsable de l'hôpital Vijan s'est retrouvé finalement mort, tout simplement parce qu'un policier l'a fauché et il est parti. Alors là, la grande question se pose, est-ce que Dolly Makambo est impliqué, Maître Steve Kivuata? Est-il impliqué? Au fait, l'affaire est en cours au niveau de la justice. Normalement, c'est à la justice de nous éclairer. Elle est mieux outillée quant à ce. Mais je pense que ce qui est regrettable, selon ce qu'on entend, c'est le fait que ça soit un garde du corps. Un garde du corps est appelé à garder le corps de quelqu'un. Or, il s'est fait que le garde du corps s'est trouvé loin du corps à garder. Et par la même occasion, avec la Jeep officielle du ministre, selon nos informations, déjà il y a un lien direct avec le ministre. Moi, je pense que ce qui est regrettable, j'ai appris que il a été interpellé par la justice militaire, ce qui est regrettable et qu'il se présente comme étant ministre. En fait, ailleurs, il serait soit suspendu, soit il aurait démissionné, ne fût-ce que pour des raisons d'enquête. Mais il y a un communiqué qui, finalement, effraie tout le monde et dérange tout le monde. Ce communiqué essaie d'expliquer les faits. Ce communiqué essaie de disculper le policier en disant que c'était un accident. Alors que quelqu'un est décédé. Est-ce que vous pensez que le gouverneur était maladroit aussi à un moment donné de prendre finalement la position du ministre? Malheureusement, dans notre pays, au fait, c'est une culture. On aime bien s'attacher au poste et on aime bien avoir des gens qu'on protège. C'est un peu la culture de l'impunité dans notre pays. On estime que bon, ça peut passer de toutes les façons. C'est une erreur que tout le monde peut commettre. Pourtant, il y a eu mort d'homme. Normalement, les responsabilités doivent être dégagées. Je pense que en ce moment-ci, qu'il soit un potentiel innocent, c'est-à-dire finalement qu'il puisse être par après acquitté ou pas, maintenant, ça serait plus intéressant qu'il soit soit suspendu, soit qu'il démissionne, afin qu'il se présente à la justice militaire comme citoyen ordinaire. Alors, deux avocats sur ce plateau, Maître Katende, la question elle est simple. Est-ce que voyez-vous l'innocence de M. Dolly Makambo par sa faute? Il y a quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est décédé. Et puis la voiture de la République a été calcinée, brûlée, tout simplement parce que M. Dolly Makambo était impliqué dans cette affaire. Je voudrais vous remercier pour la deuxième invitation dans cette émission importante. Merci. Et en rapport avec votre question, je pense que l'opportunité nous est donnée ici de revenir sur un certain nombre de faits que j'estime être très important. La première chose, c'est que ce qui est arrivé n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas un acte isolé. Il y a eu déjà
au mois de juillet ou au mois d'août, quelques paisibles citoyens qui étaient tués par les gardes, toujours du corps de certains responsables, soit de l'armée, soit de la police, ici à Kinshasa. Vous allez vous rappeler du taximen qui a été abattu sur l'avenue Nguma en Ngaliema, tout simplement parce que, étant dans l'embouteillage, il ne pouvait pas céder le plus rapidement possible le passage à l'autorité militaire qui était en train de venir. Et comme nos policiers ne sont pas préparés à la maîtrise et à la capacité de pouvoir discuter, échanger avec les citoyens, quand on n'a pas d'argument, le dernier recours, c'est son arme. Et ce n'est pas un acte isolé, il y en a déjà eu plusieurs ici à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Et je pense qu'il faut, pour Kinshasa, mettre en cause d'abord le commissaire général, M. Silvano Kasongo. Je pense que ce monsieur doit pouvoir démissionner de sa responsabilité pour incapacité à encadrer les policiers dans la ville de Kinshasa. Quand vous n'êtes pas capable d'encadrer les personnes qui sont mises sous votre responsabilité, il faut le dire. Mais vous ne demandez pas d'aller derrière tous les policiers, chaque policier. Non, je pense que globalement, les comportements de ces policiers reflètent les comportements de tous les policiers congolais. Je le dis pourquoi ? Parce que les policiers congolais sont souvent caractérisés par la violence, par la brutalité. La violence, elle peut être verbale, elle peut être dans les actes qu'on pose. Et il faut observer nos policiers quand ils escortent les autorités et quand vous vous retrouvez dans l'embouteillage, ils descendent et vous vous imaginez la brutalité qui accompagne. Parfois, ils cognent, ils cassent, ils vous contraignent tous à dégager la voie pour que l'autorité passe. Alors qu'il n'y a personne qui ait programmé que derrière moi, il y a une autorité qui va venir. Ce que beaucoup d'autorités font, ce n'est pas ce que M. Félix Tshisekedi fait quand il passe. Donc, je pense qu'il y a ce comportement qu'il faut régler. La deuxième chose, c'est le comportement de nos autorités. Quand les policiers qui accompagnent, qui escortent les autorités se comportent mal, nous avons l'impression que même les autorités y prennent plaisir. Vous voyez ? Ils prennent plaisir. Les agents de sécurité qui les accompagnent ne sont pas réprimandés, ne sont pas sanctionnés. Et ça, je pense que globalement, c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons et cette situation appelle des mesures urgentes pour que, quand un Congolais rencontre un policier congolais, qu'il soit en paix et non pas en agitation. Alors, mais est-ce que, Maître Kivota, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est finalement parti? C'est vrai qu'on en parlera et puis de toute façon, le deuil est rentré dans cette famille, ils ont perdu quelqu'un, c'est fini. Mais la question continue à se poser. Pourquoi faut-il que les policiers continuent à garder les armes létales avec eux? Pourquoi faut-il que ça se passe comme ça chez nous? Non, mais je pense que cette question-là doit être fortement réglementée, mais aussi je pense que le plus grand problème, c'est comment nous recrutons nos policiers. Moi, comme je l'ai dit, je connais dans certaines communes des anciens Kouluna qui sont devenus policiers. Les rejetés de la société, ils se retrouvent. Oui, et malheureusement, avec quelle intention? Je pense qu'ici, nous parlons d'un policier qui a eu à tuer quelqu'un la journée et ceux qui entrent dans des maisons d'autrui la nuit. Malheureusement, dans notre pays, on donne à un certain nombre d'individus une parcelle de pouvoir, mais nous ne savons pas les encadrer et nous ne savons pas effectivement qu'en leur donnant cette parcelle de pouvoir, surtout les armes, il faut que ce soit des gens irréprochables. Aujourd'hui, dans notre armée, dans notre police, c'est n'importe qui y entre sans être éduqué suffisamment sur sa responsabilité sociétale. Dans notre pays, c'est une culture. Pourtant, nous avons que lorsqu'on a une personne de pouvoir, on en abuse. Or, la loi pénale telle qu'elle a été rédigée et même pensée, c'est dans le sens que plus tu as de pouvoir, plus tu es sanctionné.
Mais le général Kanyama a une école de formation de policiers. Mais pourquoi ça ne produit pas d'effet? Ce discours, nous le tenons, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, 10 ans même depuis qu'on en parle. Mais les policiers continuent toujours à être cet objet de peur. Parce que même vous, Maître Kivota, à minuit, vous n'aimerez pas rencontrer un policier. Vous préférez même rencontrer un Koulouna, vous allez négocier. Mais pas un homme en uniforme. Effectivement, quand je suis entre un voleur qui me poursuit et le policier, la nuit, je risquerai de négocier avec le voleur. Je l'ai dit de manière claire et je ne rigole pas. Effectivement, le policier aujourd'hui pose problème. Ils ne sont pas formés. J'aurais bien aimé que le colonel Kanyama soit un exemple, effectivement, de respect, de normes, de respect de loi. Quand j'avais appris que quand il était général, il lui arrivait de trouer les pneus de véhicules. Déjà, ce n'est pas un exemple, je me permets de le dire. Donc, il faut une véritable formation. Il faut que le policier sache, connaisse la loi et surtout la loi pénale, qu'il sache qu'en tant que policier, ils doivent être... Et la sanction est plus forte que pour un citoyen ordinaire. Il faut qu'il soit, qu'il y ait une moralisation suffisante de nos policiers, qu'ils sachent que les citoyens paisibles, le bon citoyen, c'est pas son ennemi. Et même le mauvais citoyen, il y a une procédure pour l'amener au niveau de la justice, pour qu'il obtienne la sanction telle que prévue par la loi. Mais malheureusement, le policier, le militaire, et disons même de manière générale, l'agent de l'État, c'est lui qui cherche à abuser de sa petite parcelle de pouvoir. Alors, Maître Katené, on va poursuivre cette émission, surtout sur l'affaire nous parlons plutôt de ces policiers. À partir de quand un policier peut-il sortir son arme et tirer sur un citoyen parce qu'il est fâché, parce qu'ils ne se sont pas accordés sur un point de vue? Est-ce que c'est la façon dont on les a recrutés? Est-ce que c'est l'absence de l'État ou simplement parce qu'ils sont dans les mauvaises conditions? Je pense personnellement qu'il y a plusieurs causes. La première cause pour moi, c'est le passé de chaque policier. Il vient d'où? Et comme Maître Kivota l'a dit, la plupart sont des anciens Koulouna, ou je dirais de manière générale des bandits, qui n'ont pas trouvé d'autre occasion que d'entrer dans la police pour officialiser, se donner une certaine protection par rapport aux citoyens. Je crois que le point de départ, c'est là-bas. Il faut qu'on soit rigoureux dans le recrutement des militaires, comme aussi dans le recrutement des policiers. Ça, c'est important. La deuxième chose, je l'avais déjà souligné, c'est l'encadrement. Les hommes des troupes ont besoin d'être encadrés. Encadrés principalement en ce qui concerne la formation, mais aussi ils doivent être mis dans des conditions convenables, convenables matériellement, financièrement. Parce que quelqu'un qui ne sait pas couvrir les charges de sa famille à un niveau donné, il peut devenir nerveux. Il s'énerve contre vous, pas parce que vous avez prononcé une parole indélicate, mais tout simplement à cause de la charge qui pèse sur lui. Il peut mal réagir. Mais il faut aussi retenir ici que les manques de sanctions. Mais il ne faut pas oublier surtout les comportements des responsables, soit politique, soit de la police, qui envoie des fois certains policiers accomplir des actes contraires à la loi. Exactement. Si vous m'avez déjà envoyé pour la première mission accomplir un acte contraire à la loi, la deuxième fois j'y vais, la troisième fois je vais le faire pour mon propre compte. Parce que je constate que le chef qui m'encadre lui-même n'est pas à mesure de respecter les lois de la République. Mais je crois aussi que c'est aussi nous les citoyens. Nous devons refuser d'accepter une police brutale. Et nous devons faire en sorte que quand il y a des actes comme ceux que nous avons vus ici, la population dans son entièreté doit se révolter pour dire que les policiers sont d'abord des personnes qui sont au service de l'État. Plus en charge par le peuple, je veux dire, les contribuables. Voilà, au service de l'État, c'est-à-dire au service de tout le monde. Et en plus, ils sont payés par l'argent du contribuable congolais pour qui ils doivent avoir du respect. Mais je pense que la population doit pouvoir se tenir debout, refuser ce genre de comportement pour que même les autorités politiques, militaires,
et de la police soient interpellés pour que ce genre de comportement n'arrive plus. Alors, dernière question, avant de parler de ce qui pourra arriver, ce qui pourrait arriver à M. Doli Makambo, mais là, je pose la question à Maître Kivuata. Est-ce que ce n'est pas un problème général, finalement, Maître, sur l'homme congolais et le pouvoir? Pourquoi on a tendance à abuser quand on a une petite parcelle de pouvoir? La même façon, le policier a battu cet homme froidement et si facilement. C'est de la même façon que, d'ailleurs, vous êtes avocat, vous le constatez, comment le procureur jette les gens en prison sans aucun problème. Il a un petit conflit, il te met en prison. C'est de la même façon que les chefs de cabinet abusent de leur pouvoir. C'est de la même façon que n'importe qui, avec sa petite parcelle, en abuse. Est-ce que ce n'est pas le problème de l'homme congolais et le pouvoir, finalement? Bien sûr, c'est un problème général. C'est au fait le fameux débat sur l'état de droit, le niveau d'état de droit dans notre pays. Malheureusement, il y a le Congolais, lorsqu'il a une petite parcelle du pouvoir, il pense qu'il est au-dessus de la loi. Tout le monde, ouais. On ne respecte pas la procédure. Pas le policier crée ses propres lois. Nulle part dans la loi, on a dit ceux qui vendent à l'extérieur, eh bien, quand vous trouvez... il faut casser. Il faut casser, il faut jeter. Ouais. Nulle part. Mais les policiers se le permettent. Et malheureusement, comme l'a dit Maître Katende plutôt, malheureusement, la société ne se révolte pas. Oui, parce qu'elle a peur, cette société a peur. Parce qu'on peut à tout moment, on peut tirer sur un père de famille. Et puis on sait que les procès Chibé est parti comme ça, Rossi Chibanga est parti. On sait que même si on vous abat, il suffit que ce policier-là soit attaché à telle ou telle autre personne, il est parti, vous êtes foutu, vous êtes foutu. Donc, tout le monde a peur pour sa vie. Non, attention, au fait, ça doit d'abord nous choquer. Et la révolte peut être organisée de plusieurs façons. Elle peut être populaire, tout comme elle peut être organisée où vous avez de notables dans chaque coin qui peuvent agir selon ce que la loi permet. Je pense que nous devons effectivement profiter de ce genre de situation pour se poser de vraies questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation générale. Pour un Congolais, lorsqu'on lui donne une parcelle de pouvoir, la première chose à laquelle il pense, c'est comment en abuser. L'autre fois, j'ai discuté avec des gens. Généralement, dans notre pays, le contrôleur, c'est eux-mêmes qui sont le plus corrompus. Exactement. Donc, c'est un problème général. Lorsque vous êtes placé à la lutte contre la fraude, vous êtes le premier fraudeur en réalité. Effectivement, effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, on doit effectivement, avec cette situation qui pose la problématique de l'état de droit dans notre pays, poser la question même sur le recrutement de magistrats, de juges, qui deviennent magistrats, qui deviennent juges, parce que le grand problème dans notre pays est que ceux qui doivent rendre justice ne sont pas eux-mêmes justes. Et ça pose problème. Comment est-ce qu'ils étudient? Nous devons analyser tout ça. Dans quelles universités? Ceux qui étudient mal ont subi les injustices, ont effectivement ces réflexes de pouvoir le reproduire. Nous devons poser cette problématique de l'état des droits qui n'est pas qu'au niveau des politiques, qui est au niveau de toute une société. Alors, Maître Katende, l'éthique qui souffre en RDC, où personne ne veut respecter le bien commun, personne n'a le respect sur la chose publique. On pense, quand on a un petit pouvoir, je dois piétiner, écraser l'autre. Ça vient d'où? Est-ce que ça nous a... On l'a hérité de nos colons, ou nous sommes simplement en train d'inventer un système qui nous détruit nous-mêmes? D'abord, je vais revenir sur la question liée à la réaction. Et moi, je suis toujours pour la réaction populaire. Parce que si l'ensemble de notre peuple ne se révolte pas quand des actes pareils sont posés, la conséquence est que nous n'allons rien changer. Il faut une réaction populaire. Ça veut dire une réaction pacifique, mais où tous les citoyens congolais, qu'on soit à Kinshasa ou qu'on soit ailleurs, que nous puissions dire ces genres de choses ne doivent plus se passer dans ce pays. Je pense que ça va permettre à ce que tout le monde soit interpellé. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas oublier que pour faire changer ce qui se passe au Congo, il y aura toujours des gens qui vont mourir. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais à quoi ça sert de vivre dans une société où vous n'avez pas de dignité, où vous n'avez pas la protection de l'État qui est censé vous protéger? Donc, nous ne pouvons pas croire qu'on peut améliorer la situation de l'état de droit en République démocratique du Congo sans qu'il y ait des morts. Parce que nous avons affaire des fois à des criminels organisés.
à des criminels qui sont au pouvoir, qui ont soit le pouvoir militaire, qui ont le pouvoir au sein de la police, qui ont le pouvoir politique. Et leur objectif, c'est de prendre tout le peuple en otage. En posant ce genre d'actes, c'est pour que les gens ne revendiquent pas leurs droits. En posant ce genre d'actes, c'est pour que les gens ne s'expriment plus, comme vous avez dit, on va me tuer. Mais moi, je dis, et c'est ma conviction personnelle, que partout où l'état de droit a évolué, et surtout quand vous avez affaire à des prédateurs politiques, militaires et de la police, il faut qu'il y ait toujours des morts. Très bien. Et donc, je reviens maintenant à votre question en disant tout simplement que l'éthique, c'est une éducation. Et cette éducation dépend de la famille, dépend de l'école et dépend de l'environnement dans lequel nous vivons. Et ce qui est malheureux, c'est que cette situation de manque d'éthique est favorisée souvent par ceux-là même qui sont censés lutter pour que chacun se comporte de manière moralement acceptable. Alors, mais et vous voyez, c'est pour ça que je reviens toujours sur notamment l'affaire des 15 millions de dollars. Mais vous ne sentez pas que la justice bouge? Que les gens qui sont concernés par cette affaire sont toujours en fonction. Mais avec ces genres de comportement, comment voulez-vous que les jeunes qui entendent ces choses puissent se dire « voler l'argent de l'État, ça va vous causer des... » Alors cette absence d'exemplarité, ça détruit finalement les futures générations. Effectivement. Alors on va poursuivre déjà là. Qu'est-ce qui peut arriver alors à M. Adeli Makambo, maître Kivuata? Est-ce une révocation? Parce que l'Assemblée provinciale estime qu'il faut finalement l'interpeller et s'il y a possibilité de le déchoir, ce serait possible. Mais est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les choses devaient aller dans un pays qui se veut un état de droit, où un ministre peut-il être débarqué à tout moment comme ça? Non, attention, en fait, la moralité, la vraie moralité politique, comme je l'ai dit, ça devait d'abord venir, du moins, un minimum d'éthique de la part du ministre de pouvoir démissionner. De lui-même, pour en fait. Dire, ben, de lui-même, pour dire que finalement, bon, je suis libre, je suis à l'aise d'aller en justice et j'estime qu'elle pourra m'innocenter. Ou soit le gouverneur d'estimer que, bon, mon gouvernement risquera d'être sali, il suspend. Effectivement, l'Assemblée provinciale, heureusement qu'elle a pris les choses en main, parce qu'elle peut aussi, par une motion de défiance... viser le ministre en question. Oui, faire tomber le ministre. Donc, c'est une procédure normale, mais je voudrais effectivement rebondir sur le fait qu'il y a d'ailleurs un article qui me venait en tête pour se dire, finalement, c'est comme si on a tué l'État. On est devenu pire que les libéraux. Parce que les libéraux cherchent à laisser l'État dans une situation de régulation. Mais nous, l'article 15 est entré dans notre esprit. Même ceux qui doivent effectivement rendre justice, ceux qui doivent servir les autres, ceux qui n'ont que ça comme mission, ils l'ont détourné pour qu'ils se servent eux-mêmes. En réalité, on doit servir l'État. Et c'est ça le véritable problème, c'est que nous devons résoudre. Peut-être parce que l'État lui-même n'arrive pas à bien prendre en charge ses agents. Vous devez vous rendre compte que la plupart des agents de l'État, ce sont ceux-là qui sont le plus mal payés. Oui. Espérons que les enseignants, avec la gratuité de l'enseignement, leurs salaires vont s'améliorer. Mais jusque-là, c'est encore pénible. Alors, maître, vous pensez que Adeli Makambo peut faire la prison? Et vous pensez, dans cette affaire, dans le pire des cas? Non, mais je pense que ce qui est d'abord important, c'est d'établir par rapport à lui où est la faute. Ça, c'est très important. La faute pour lui consiste d'abord par le fait qu'il a laissé les véhicules de l'État et les agents qui sont commis à sa protection aller divaguer dans un conflit qui ne concerne pas les ministères de l'Intérieur. Jusqu'à... Oui, et même si ces conflits concernaient les ministères de l'Intérieur, ce n'est pas les gardes du corps du ministre de l'Intérieur qui doivent aller le régler. Toujours les agents de justice. Oui, ça c'est sa faute. Et en fonction de cette faute, nous pouvons conclure que M. Adeli Makambo n'est pas à la place qui convient, n'est pas à sa place. C'est quelqu'un qui doit rester chez lui à la maison tranquillement, qui n'a pas de capacité pour travailler pour les citoyens, pour l'État congolais. Donc, que ce soit le gouverneur ou l'Assemblée provinciale, il faut d'abord que ces messieurs perdent sa fonction de ministre provincial de l'Intérieur. D'abord, à cause de cette faute. Alors, maintenant, on va aller loin pour voir
Est-ce que dans les actes qui ont été posés, et ça, ce sont les personnes qui ont opéré, qui ont exécuté les coups, qui vont en fait le dire à partir des questions qui seront posées, soit par le parquet, soit par le tribunal. Et on saura s'ils ont été là-bas sur ordre du ministre de la provincial de l'Intérieur ou pas. Mais le policier n'est pas visible, le policier n'est pas retrouvé, on ne l'a plus retracé, il a disparu. Oui, mais vous savez qu'il n'était pas seul. Ils étaient plusieurs. Oui, oui. Ils étaient plusieurs. Donc, voilà, ils étaient plusieurs. Ça veut dire en d'autres termes que ceux qui n'ont pas exécuté le meurtre seront là, seront entendus pour qu'on sache quels sont les degrés de leur implication dans l'affaire et de quel droit ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Si, par exemple, les propriétaires, les messieurs qui ont acheté la parcelle et qui voulaient construire sous la protection, n'est-ce pas, de la police, étaient amis à M. Makambo. En ce moment-là, il y aura des faits de complicité dans les chefs de M. Makambo qui a envoyé, dans ce cas-là, ses gardes du corps à cet endroit-là pour protéger un citoyen qui n'avait pas le droit d'être protégé par ces gens-là. Et là, je pense que il va pouvoir être pris en tant que complice et il peut faire la prison. Alors, mais la question, maître Kivota, c'est celle de savoir, est-ce que vous croyez aujourd'hui en la justice? Parce que, regardez, on revient à l'époque de Kabila Joseph, celle qui a abattu ou celui qui a abattu Rossi Chimanga est toujours en liberté. Les assassins de Floribert Chebeya toujours en liberté, Kapangala toujours en liberté. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, le premier à abattre quelqu'un, c'était à Lubumbashi. Il a été tout de suite mis aux arrêts. Un autre a abattu un Wiwa hier, il a été condamné à perpétuité. Et aujourd'hui, il fait donner de Makambo qui est devant la justice. Est-ce que on sent un changement ou ce sont des tentatives tout simplement d'un commencement? Non, en fait, en tant qu'avocat, je suis appelé à croire à la justice congolaise. Sinon, effectivement, j'aurais commis une faute sur le plan déontologique. Mais en tant qu'homme politique, j'estime que la justice congolaise doit être sérieusement réformée. Au fait, les gens doivent savoir que le fait qu'on vous ait donné l'opportunité de dire le droit, de rendre justice, et que vous ne pouvez pas le faire de n'importe quelle manière. Vous ne pouvez pas le transformer en une marchandise que vous pouvez vendre et en tirer un profit personnel. C'est ça, effectivement, la grande leçon que nous pouvons tirer. Et de du côté des hommes politiques, surtout ceux qui disent pouvoir apporter le changement, je pense qu'ils ont beaucoup d'instruments à utiliser, entre autres, leur relation avec le Conseil supérieur de la magistrature pour sérieusement sanctionner de moutons noirs, parce que ça ne manque pas. Mais malheureusement, nous ne voyons pas les actes qui sont entrepris dans ce sens-là. Il y a une impunité généralisée, un peu comme l'a dit un de membres de la coalition FCC-CACH, que leur régime FCC-CACH est en train de normaliser la corruption dont a parlé Maître Katende. Donc, nous ne voyons pas le changement de grands dossiers, de dossiers qui choquent la conscience nationale. Mais la mort choque la conscience nationale. Effectivement, la mort, quelqu'un est condamné à perpétuité. Ben, il n'y a pas que La vie humaine est plus que 15 millions de dollars. Non, attention. Avec 15 millions de dollars, il y a des jeunes qui peuvent mourir de faim parce que l'État aura gaspillé. Et le 15 millions, ce n'est pas que le 15 millions. Il faut prendre même la dimension de dire que c'est un crédit qu'ils ont pris auprès de banques commerciales. Et oui, qu'il faudrait qu'ils payent encore 25 millions de dollars. Mais soyez quand même reconnaissant par rapport à cette arrestation, par rapport à cette condamnation. Il y a quand même quelqu'un qui a abattu quelqu'un et s'est vu sanctionné par l'État. Quel dossier, par exemple? L'affaire de ce monsieur qui a abattu un Wiwa. Il n'y a pas le fait, il y a matière que le monsieur a été condamné. Hein. Bien sûr, il faut saluer. Quoi qu'il a plaidé en soi, quoi qu'il a, il s'est défendu en Chilouba en pensant à attirer la sympathie des gens, mais finalement il est condamné à perpétuité. Non, en fait, on ne peut pas manquer effectivement de féliciter, mais c'est un petit dossier par rapport à la qualité de la personne. Nous estimons que
il faut réellement sévir. Ces dossiers, par exemple, où un ministre est impliqué, nous voudrions voir. Alors, mais pourquoi l'État, pourquoi, en fait, maître Kivata, maître Kadhafi va en parler, mais je ne comprends pas. Quelqu'un a perdu la vie. Aujourd'hui, 15 millions de dollars valent beaucoup plus que la vie de quelqu'un. J'ai l'impression, quand vous nous dites que c'est. Oui. Ben oui, 15 millions de dollars. Valent que la vie de quelqu'un. 15 millions de dollars, dernièrement. Le président proclamé Félix Tshisekedi a dit que la pauvreté se trouve à la hauteur de 63%. Avec la pauvreté, il y a de morts d'hommes qui peuvent arriver par malnutrition. Vous savez combien de Congolais meurent par la malnutrition et vous gaspillez 15 millions de dollars, vous faites disparaître 15 millions de dollars et la justice ne bouge pas. C'est inacceptable. Il y a mort d'homme, peut-être vous ne le remarquez pas. Vous pensez que les gens meurent seulement de balles. Non, attention, la malnutrition tue, même la malaria aussi. Maître Katine, est-ce que vous pensez que on assiste à des avancées quand même, où on arrive à mettre la main sur les criminels et les sanctionner comme il faut? Bon, d'abord, la première question par rapport à tous ces débats, c'est de savoir si personnellement j'ai confiance en la justice congolaise. Oui. Maître Kivata venait de dire qu'en tant qu'avocat, il a confiance en la justice congolaise. Mais moi, je dis aussi en tant qu'avocat que je n'ai pas confiance dans cette justice. Vous vous exposez à des fautes déontologiques. Il n'y a pas de faute parce que je n'ai pas, en fait, porté atteinte à l'honneur réservé aux magistrats. C'est un fait connu. Les magistrats sont corrompus. C'est connu de tout le monde. Et en tant qu'acteur du secteur de la justice, je sais que les magistrats sont corrompus. Le président Kabila, il y a quelques années, a dit lui-même que notre justice est corrompue. Le premier citoyen. Il le reconnaît. Mais comment, moi, en tant qu'avocat, je ne le reconnaîtrai pas. En plus, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Ça veut dire, en d'autres termes, et je pense que les Congolais qui nous suivent doivent prendre conscience de ça. Ça veut dire que la justice, quand ces messieurs-là siègent là-bas au tribunal, c'est à notre nom qu'ils prennent ces décisions. Et nous devons être à même de nous dire, est-ce que nous sommes satisfaits de la manière dont ces gens rendent justice? Et faire comme au Pakistan, où à un moment donné, la justice a rendu de mauvaises décisions et le peuple s'est soulevé pour dire, messieurs, vous ne méritez plus d'être là-bas. Parce que vous êtes là, même si vous êtes nommé par le président de la République, mais il ne faut jamais oublier que le président de la République lui-même est serviteur du peuple. Élu par le peuple, d'ailleurs. Élu par le peuple, et comme c'est dit dans le serment qui est inscrit dans notre Constitution, il est serviteur du peuple. Et c'est pertinent, on n'a pas mis ces mots « serviteur du peuple » pour rien. C'est-à-dire qu'il doit travailler pour le peuple, qu'il doit se soumettre au à la volonté du peuple. Mais la grande question, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont été, dont la vie a été retirée. Non, mais ils sont condamnés. Est-ce que ça ne vous dit pas qu'il y a des avancées quand même? J'en arrive. Je voulais seulement préciser cet élément parce que pour moi, c'est très important que tous les Congolais sachent que les décisions qui sont rendues dans les cours des tribunaux là-bas sont rendues en leur nom. Mm. Et quand ils sont mécontents, ils doivent pouvoir le manifester. Mm. C'est l'implication de la population dans la gestion de l'État qui va faire changer les choses. Allez-y, il ne faut pas que nous puissions considérer que tout ce qui s'est fait là-bas, tant que ça ne nous touche pas, c'est loin de nous. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des avancées? Je dis oui. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un certain nombre de cas où, à l'époque, la justice n'agissait pas. Et vous avez donné la liste ici d'un certain nombre de cas flagrants où les auteurs n'ont jamais été inquiétés. Ils sont à Kinshasa, ils n'ont pas voyagé, ils sont là, ils marchent. Et ils continuent à occuper des fonctions dans l'appareil de l'État congolais sans qu'ils ne soient inquiétés. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une évolution, mais nous voulons que cette évolution soit permanente et générale. Est-ce que 16 millions valent la vie d'un homme? Non, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que la vie, en fait, elle est sacralisée par la Constitution de la République. Ça veut dire que le législateur congolais a estimé que la vie est au-dessus de tout. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Kivata quand il dit que la pauvreté tue. Mais ici, nous sommes devant des cas délibérés où un citoyen, parce qu'il est porteur d'armes,
prend la décision de supprimer une vie. Ça, ça devient grave. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est un cas isolé. Une vie, même une seule personne, personne n'a le droit, conformément aux lois de la République démocratique du Congo, de lui ôter gratuitement la vie. Il y a des formes, il y a des procédures qui sont prescrites pour y arriver. Et pour que l'état de droit fonctionne, il faut que ces procédures soient respectées. Alors pourquoi il n'y a pas des marches? Pourquoi il n'y a pas cet engouement autour de la question, par exemple, de Makambo? Parce qu'il faut dire qu'à l'époque de Kabila, on n'a pas vu ça. Un ministre qui tue, ou quelqu'un tue à son nom, ou quelqu'un qui était à sa charge tue. C'était des gens intouchables, on ne les touchait pas. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme ça est appelé au niveau de l'auditorat militaire, il va passer les temps là-bas. Est-ce qu'il faudrait-il aussi qu'on en parle comme on en a parlé pour l'affaire des 15 millions de dollars? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le peuple se soulève? Parce que la personne qui a été abattue, ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un vanupier, c'est un père des familles qui a quitté sa maison, qui est allé servir la République, mais malheureusement, il ne rentrera pas parce qu'un policier a décidé autrement. Non, mais je dis tout simplement que si nous sommes un État civilisé, le peuple ne peut pas se soulever dans ce cas. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons attendu quelle va être la réaction des autorités. Et puis, malgré les communiqués diversifs de M. Dolly Makambo, qui aurait pu se taire et laisser d'autres personnes parler, que de faire ce communiqué qui a démontré qu'il n'avait pas du respect pour le mort et surtout pour sa famille. Et donc, nous pensons que dans ce genre de choses, la population a attendu l'action. Maintenant que nous savons que M. Dolly Makambo est en résidence surveillée. Et tout à l'heure, je venais d'apprendre qu'il est envoyé au parquet pour être entendu. Ça, c'est la réaction que tous les citoyens attendaient. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Non, mais c'est là. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'amène à Makala et puis après on oublie l'affaire. Il faut pas penser qu'on va oublier l'affaire. Comme nous n'avons pas oublié l'affaire des 15 millions, nous n'allons pas oublier cette affaire de Dolly Makambo parce que ça doit être une affaire qui doit servir d'exemple à toutes les autorités. Très bien. Qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Nous terminons le premier chapitre, celui de Dolly Makambo, Dolly Guette. Alors parlons maintenant de Roubaix Roy, Maître Kivuata, vous l'avez certainement suivi. Vous êtes avocat et pas le moindre. Certains gouverneurs se sont mis ensemble, d'abord en nommant des bourgmestres, d'autres se sont donné la possibilité, le courage de nommer, de permuter. Et quand le ministre nouvellement nommé va rappeler au gouverneur de ne pas finalement appliquer ces décisions-là, ils vont s'organiser en collectif et alors cette fois-ci foudroyer le ministre avec une lettre assez scandaleuse, mais ils saisissent le ministre de la décentralisation. Et ce qui est curieux, le concerné ne répond pas, mais c'est plutôt le ministre de la décentralisation qui répond et demande à son supérieur de pouvoir appeler les gouverneurs en concertation. Quelle est votre analyse par rapport à ce posting, je vais dire, de M. Roubaix Roy? Ça pose une problématique majeure, l'état de droit, où en sommes-nous? Parce que l'état de droit veut tout simplement dire qu'on ne négocie pas avec la loi. Qu'est dit la loi en la matière? Donc le conseil du ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles, eh bien, c'est vraiment un conseil anticonstitutionnel. Mais il est avocat comme beaucoup. Mais malheureusement, en fait, ça démontre effectivement l'attitude que nous avons de vouloir arrondir les angles là où nous devons appliquer la loi. En fait, moi, à la place du ministre de l'Intérieur, j'aurais pris des décisions fortes en la matière. Parce qu'effectivement, la lettre de différents gouverneurs, c'était inexplicable. C'est la toute première fois que vous voyez deux gouverneurs qui sont censés, du moins en tant que représentants de l'État au niveau de province, dépendre hiérarchiquement du vice-premier ministre de l'Intérieur, lui donner pratiquement un cours, disons, des conseils qui n'ont aucun lien avec la loi. Parce qu'ils disent que nous avons une instance de concertation. Mais c'est une instance de concertation. Mais le ministre de l'Intérieur a ses compétences déterminées par la Constitution et les lois de la République. Et en la matière, il est clairement dit dans la loi de 2008
portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées dans ses dispositions finales qui renvoient à l'ancien décret-loi que le maire, le bourgmestre, etc., sont désignés, proposés à nomination par le ministre de l'Intérieur et nommés par le chef de l'État. C'est ce que ça dit. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsque, comme on attend les élections, eh bien, ce sont le gouverneur en tant que représentant de l'État qui pourrait nommer. C'était à la limite la chosification de l'État. Alors, le fait que ces gouverneurs aient écrit cela et qu'ils ne se soient reposés sur aucune disposition légale, parce que j'ai lu la lettre, d'ailleurs je devais faire un article pour torpiller leurs différentes propositions, eh bien, je ne comprends pas que le ministre d'un même gouvernement qui est censé être solidaire avec son collègue, qu'il puisse donner pratiquement le même conseil que le gouverneur. On ne peut pas négocier avec le loi du pays. Ce n'est pas cela de l'état de droit, malheureusement. Alors, maître Katendela, nous avons un ministre de la décentralisation qui demande à son supérieur d'appeler les inférieurs afin de discuter sur la matière de la dont la loi a déjà traité. Non, je pense qu'il faut dire d'abord que M. Roubéroy se permet un peu trop. Et au nom de quoi? Un élément qui n'a pas été souligné, c'est que la majorité de ces gouverneurs viennent du FCC. Ils sont tous du FCC, je crois. Oui, ils sont tous du FCC. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise intention. Le fait qu'ils se soient mis ensemble. Et puis seulement eux. Oui, qu'ils aient constitué un collectif pour se soulever contre les lois de la République. C'est de la rébellion pour vous? Mais effectivement. Effectivement, parce que j'aurais encore compris que ce soit un gouverneur isolé qui l'écrive. Mais qu'un groupe de gouverneurs se concerte, se mette ensemble, prenne la décision d'écrire cette lettre qui est en fait contraire à la Constitution, contraire aux lois qui gèrent la question en ce qui concerne la nomination des bourgmestres et leur révocation, je crois que ces gouverneurs méritent tout simplement d'être renvoyés. Qui peut le renvoyer? Mais il y a des procédures pour ça. Il y a des procédures pour ça. Ça veut dire en d'autres termes que si les FCC est constitué des gens qui ont le souci de la construction d'un état de droit, on doit pouvoir intéresser les assemblées provinciales de toutes ces provinces pour qu'on puisse interpeller ces gouverneurs. FCC va-t-il faire du mal au FCC? Vous le voyez, vous le pensez? Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas pris au piège carrément? Vous savez, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit dans d'autres émissions que le président de la République doit avoir du courage. Parce que la situation dans laquelle le pays se trouve, sans courage, sans tact, on ne peut rien faire. Il est démontré aujourd'hui que la coalition FCC-CACH, c'est une coalition, en fait, qui ne marche pas. C'est une coalition où l'un reconnaît que j'ai des partenaires, mais les autres qui sont en face de lui ne le reconnaissent pas comme partenaire, c'est plutôt comme un opposant. Alors, on va évoluer sur cette question, mais là, je prends la troisième avant de prendre l'avant-dernière. Le président de la République s'est vu bafoué, enfin, disons, a été malmené par une ministre qui a refusé d'appliquer les ordonnances du président. Nous passons, il y a un député qui a insulté le président littéralement devant les députés, qu'il était inconscient. Et puis nous revenons encore, nous avons des ministres, M. Neni Moulania, qui a carrément fait la leçon au président de la République. Et là, Emmanuel Chadar, qui considère le président comme une parenthèse, j'emprunte les termes de maître. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est-il respecté par le FCC? Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que lui-même, il doit en savoir quelque chose. J'ai suivi une ancienne vidéo où il disait clairement que Joseph Kabila avait l'intention de maîtriser les processus électoraux, de en pouvoir mettre un pantin, qu'il doit lui chauffer le siège le temps qu'il revienne. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce schéma-là? Est-ce qu'il ne connaît pas la vérité de la situation actuelle? Est-ce qu'il n'a pas eu à mettre sa signature sur
un acte de trahison contre la République. C'est ainsi que ce que nous considérons comme étant le président élu, Martin Fayoulou, a sorti un plan de sortie des crises. Il n'est pas dans la réclamation de l'impérium comme feu Étienne Tshisekedi. Il a dit voilà la solution. Cassons ce système. Ce système qui veut que ceux qui sont au pouvoir puissent user de la corruption, du détournement des deniers publics aux élections, qu'ils puissent corrompre le peuple, qu'ils puissent corrompre toutes les structures qui proclament les résultats. Mais il ne dit pas comment. Il ne il dit fin. Pas comment, comment casser le système. Non, il le dit. Comment? Il dit quand il dit que nous devons mettre en place un Haut Conseil national pour les réformes institutionnelles, c'est en quelque sorte mettre entre parenthèses cette majorité parlementaire fabriquée par le FCC et qu'on ait une institution qui peut réformer les choses et qu'on aille vers les élections anticipées où cette fois-ci, ça sera le peuple qui va choisir. Parce que malheureusement, le gens du FCC, ils savent la nature du pouvoir actuel, ils savent que ça ne vient pas du peuple, ils ne peuvent pas respecter quelqu'un qui n'est pas le produit du peuple, c'est ça le vrai débat. Et lui, ils n'ont pas respecté Tshisekedi, pourtant il était le fruit du peuple. Ils n'ont pas respecté Bemba qui était le fruit du peuple. Pourquoi vous pensez qu'ils vont respecter Kabila, Félix Tshisekedi aujourd'hui, même s'il était le fruit du peuple? Il n'est pas, c'est différent, les autres, ils ne pouvaient pas le respecter parce qu'ils le combattaient. Eux, ils estiment qu'ils ont fabriqué le poste du président de la République. Ils estiment qu'il leur doit tout. C'est ça le vrai débat. Aujourd'hui, nous devons voir, lui-même, il doit voir comment est-ce qu'il doit casser ces systèmes. Parce que la trahison deviendra d'autant plus forte et impardonnable si ces gens du FCC arrivaient, encore une fois de plus, à avoir la plénitude du pouvoir. C'est en ces moments-là que l'histoire, les générations futures, ne lui pardonneront pas cet acte de trahison. Maître Katende, vous pensez à la même chose que Lamouka avait raison, de sortir ce plan, ce plan-là? Non, d'abord, moi, personnellement, je n'ai jamais eu confiance dans la composition de Lamouka. Je l'avais dit dès le départ que nous avons au sein de Lamouka des personnes qui, par nature, ne pouvaient pas être ensemble. Ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je n'ai jamais vu M. Martin Fayoulou proche de Jean-Pierre Bemba avant la réunion de Genève. Mais il était en prison, Bemba, c'est tout à fait normal qu'il soit mais ensemble. Je vais continuer. Je n'ai jamais vu Martin Fayoulou proche de M. Katumbi. Je n'ai jamais vu M. Fayoulou proche de M. Mouzito. Donc, c'est pour ça que on n'a jamais vu Kabila proche de Félix, pourtant ils sont ensemble, ils sont non, en alliance. Mais, hein. Non, mais le problème, c'est que quand vous mettez des gens qui n'ont pas la même vision, les mêmes ambitions, on arrive à des problèmes. Aujourd'hui, Lamouka est là où il est. Monsieur Kivuata, Maître Kivuata peut nous expliquer davantage. Ils ont promis plusieurs fois des actions de grande envergure. On a besoin d'une opposition dans ce pays-ci. Mais ce qui se passe au sein de Lamouka nous donne l'impression que cette opposition ne va pas être de nature à constituer un contrepoids face au FCC et au CASH. Ça veut dire en d'autres termes que même au sein du FCC CASH, il y a des problèmes. Pourquoi on a mis ensemble les gens qui n'ont pas la même nature? Et c'est important. Je pense que Lamouka peut faire tous les discours qu'on veut, comme on le voit, faire des photos, tel à rencontrer tel. Nous, vous voulons, messieurs, sur terrain. Ça, c'est important pour que ce pays avance. Donc, vous pensez que Lamouka est mort, comme beaucoup pensent? Non, je ne dis pas que Lamouka est mort. Notre souhait, c'est que Lamouka, c'est que tout le monde de Lamouka se mette ensemble avec une même vision pour arriver à ce que nous ayons un contrepoids. Vous savez, pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que si Lamouka n'est pas là, s'il n'y a pas d'opposition, c'est nous, les organisations de droits de l'homme, qui vont être considérés comme des opposants. Alors que nous ne le sommes pas. Donc ça veut dire que c'est dans notre intérêt que les membres de Lamouka s'organisent et soient effectivement sur terrain. Est-ce que vous croyez au combat de Martin Fayoulou? Mais vous savez que moi j'ai beaucoup travaillé avec Martin Fayoulou. Ça, vous le savez. Nous avons travaillé ensemble avant la mise en place du Front Citoyen 2016. Et dans le Front Citoyen 2016, nous avons beaucoup travaillé avec M. Fayoulou, avec M. Félix Tshisekedi et bien d'autres. Parce que nous avions les mêmes ambitions, la même vision. C'était d'abord le respect de la Constitution et militer pour que les élections puissent avoir lieu. Est-ce que vous croyez au combat de Mouzito? Mouzito, je ne pense pas. Je ne peux pas croire dans son combat.
Tout simplement parce que il ne faut pas que les gens pensent que les Congolais ont une mémoire courte. Quelle a été la gestion de Mouzito dans ce pays? Il vous a doublé le budget. Non, non, non. Quelle a été sa gestion dans ce pays-ci? L'impunité, corruption, tout. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que quand ils sortent du pouvoir, ils deviennent des bons donneurs de leçons. Et quand ils sont au pouvoir, ils agissent comme ce que nous sommes en train de voir. Nous disons, non, messieurs, il faut que les gens, quand ils sont au pouvoir, se comportent comme quand ils n'étaient pas au pouvoir. Et ce que nous sommes en train de voir, que ce soit pour ceux qui sont là aujourd'hui, quand vous prenez leurs déclarations d'hier, vous les comparez à ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une grande différence. Et cette grande différence, c'est nous, les peuples, qui devons faire en sorte que les hommes politiques respectent leurs paroles et leurs promesses. Maître Steve Kivala. Non, en fait, je suis quand même étonné que Maître Katende, qui est plutôt une élite, qu'il puisse faire un jugement ou une analyse sur le bilan d'un Premier ministre sans être le plus concret. Parce que quand il parle d'impunité, eh bien, il sait bien qu'un Premier ministre dans un système où il y a un président de la République, ce n'est pas lui quand même qui va commencer à demander à la justice de sévir. Mais là où effectivement il aurait pu établir le bilan du Premier ministre, c'est sa gestion en donnant les chiffres. Mouzito, personnellement, en tant que Premier ministre, vous ne l'aviez jamais vu poursuivre des journalistes, malgré qu'on a eu à attaquer son image, à commettre un certain nombre d'infractions, de diffamations. Il y a eu même l'ancien député qui, a, avec sa caméra, est allé filmer même des plus maisons de 350 maisons. Hein. Il ne l'a jamais poursuivi en justice. Finalement, l'affaire était arrivée au niveau du parquet général de la République. On a trouvé que c'était des déclarations à l'emporte-pièce. Mais malheureusement, Maître Katende aurait pu dire, comme l'a dit l'actuel président proclamé, en disant que ce n'est qu'entre 2005 et 2012 que la pauvreté a été réduite de 8% et qu'après 2012, les choses n'ont jamais changé. Pourtant, il n'a pas été Premier ministre pendant 2005 à 2012. Il a été Premier ministre entre 2008 et 2012. Ouais. Et il a été ministre de budget depuis 2007. Donc 2005, nous savons que c'était la fin de la transition et que les deux ans, ce n'était que pour les élections. Donc ce n'est pas en ces moments-là qu'il y a eu réellement de grandes actions qui pouvaient tendre à réduire la pauvreté. Et effectivement, parce que cette réduction de la pauvreté, ce n'est pas anodin, parce que c'est sous Mouzito qu'on a pu annuler la dette extérieure à la hauteur de 90%. C'est sous Mouzito qu'on a retrouvé le budget à 800 millions de dollars qu'il a multiplié à 400%. Parce qu'il a laissé à 4 milliards de dollars. Et sur le plan social, c'est sous Mouzito que les professeurs d'université sont partis de 300 dollars de salaire à 2000 dollars. C'est sous Mouzito qu'on a triplé les effectifs de magistrats. Il parlait de l'impunité. Voilà le magistrat dont les effectifs étaient triplés. C'est sous Mouzito qu'on est parti de 250 000 enseignants à 350 000 enseignants mécanisés. C'est sous Mouzito qu'on a amélioré les salaires de fonctionnaires et des enseignants. Une question de 20 dollars à 100 dollars. Voilà les chiffres. En termes d'impunité, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas du ressort d'un Premier ministre dans un système politique comme le nôtre. Alors, mais pourquoi quand c'est bien, c'est Mouzito? Quand c'est mal, c'est Kabila? Ça, c'était la première question. Mais la deuxième, c'est aussi de savoir, est-ce que vous parlez aussi de 96% de chômage que Mouzito n'a pas pu régler? C'est aussi à son époque que le taux de chômage était le plus élevé. Je ne dis pas qu'après lui, on a baissé. Non, après lui, c'est toujours la même chose. Le taux de chômage était là. Le taux de Maître Katende est aujourd'hui activé. Pas aujourd'hui, mais depuis tout le temps, il est activiste. Mais c'est parmi le temps où le cas de violation des droits de l'homme, c'est grimper finalement, ça exploser les chiffres. Non, d'abord pour le cas de violation des droits de l'homme, il le sait bien que dans un système politique comme le nôtre, c'est pas le Premier ministre qui peut changer le système. Le Premier ministre ne peut que gérer et non transformer. Mais quand c'est en économie, c'est lui. Là, il n'attend pas le système. Dans l'économie, il peut créer une marge de manœuvre pour produire un bilan, et c'est ce qu'il a fait. Et quand vous dites que quand c'est bon, c'est Mouzito, quand ce n'est pas bon, c'est Kabila, mais c'est tout simplement parce que Kabila a eu 18 ans. Et dans les 18 ans, il y a eu plusieurs premiers ministres. Par exemple, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président proclamé. Il dit « fin 2012 ». La pauvreté n'a plus baissé. À partir de 2012, c'est Matata Ponyo qui devient Premier ministre. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu d'autres personnes.
C'est toujours sous Kabila. Donc, les résultats n'étaient pas positifs comme sous Mouzito. Je ne dis pas que c'est le Premier ministre le plus parfait, qu'il soit parfait. Non. Je dis qu'il y a des choses qu'il a eu à faire. Nous devons le reconnaître. Nous ne devons pas lui coller, un peu comme les gens qui discutent en dessous des arbres, qui lui collent des maisons qu'il n'a pas. Très bien. Même s'il peut évoluer. En avoir quelques-unes. On va évoluer. Je n'ai plus mon chronomètre, donc je ne sais plus voir les temps. Oui, allez-y, maître. Non, mais je voudrais tout simplement dire à maître Kivuata que je souhaiterais que nous ayons un débat ici sur les bilans de Mouzito. Comme ça, chacun de nous va... Trouver un jour, hein? Oui, va trouver avoir... un jour, peut-être le vendredi prochain, va avoir les chiffres. Je ne pense pas que le Premier ministre soit là comme un paravent, à moins que maître Kivuata nous dise que quand le Premier ministre est là, il ne fait rien. Non. Le Premier ministre, nous aurions souhaité que, par exemple, les cas de lutte contre la corruption, le Premier ministre a sous ses ordres le ministre de la Justice, qui dépend quelque part de lui parce que c'est le chef du gouvernement, qu'il pouvait, parce que en matière d'administration de la justice, le Premier ministre, comme le président de la République, ont le pouvoir d'impulsion, c'est-à-dire de pousser, à ce qu'un certain nombre d'actes soient posés, notamment en matière de lutte contre la corruption. Alors, on risque de vider la matière dont on va parler le vendredi prochain sur la... Non, je voulais tout simplement placer... Oui, on va arriver. Oui, on va arriver. C'est pour dire que il ne faut pas qu'on perde, pour moi... Je pense que si les questions que j'ai soulevées ici ne sont pas prises en compte, l'avenir de la Mouka est sombre. Est-ce que vous pensez que la Mouka, comme elle fait aujourd'hui, Moïse Katumbi veut être porte-parole de l'opposition, Bemba aussi, ils vont donc aller, je crois, au niveau de... Ils vont aller aux élections. De quelle opposition? Oui, l'opposition exigeante pour Katumbi. Mais déjà, il y a des sons divergents. On va nous dire que c'est la démocratie. Il y a des sons divergents au niveau de la Mouka. Alors, on va entendre ce que va être... Donc, il y a des sons divergents, même pour la question de la désignation, n'est-ce pas, du porte-parole de l'opposition. La Mouka ne se met pas ensemble. Alors, mais la Mouka a trois points de vue. Katumbi parle de l'opposition exigeante. Mais dites-moi comment on peut faire avancer une cause aussi importante dans un pays, dans un navire qui est en train de... d'étanguer de tous les côtés, avoir une opposition dans ces formats-là. Alors, maître Kivuata, finalement, est-ce que vous allez vous entendre enfin? Est-ce que vous allez vous entendre quand on sait que pour Katumbi, c'est une opposition exigeante? Pour Pierre Lumbi, il est très affiché d'ailleurs, un peu fâché contre Fayoulou. Pour M. Fayoulou, il est le président élu, il n'a pas besoin de participer. Bref, est-ce que vous allez vous entendre? Bien sûr, nous allons nous entendre. C'est la seule plateforme politique où la démocratie est visible, où les gens émettent leurs avis. Nous ne voyons pas ces genres de débats dans Cash. Nous ne savons même pas qui gère Cash. Ils n'ont pas de problème. Non, attention. En réalité, c'est la plateforme politique qui devait piloter les choses. Nous avons vu Cash. Il y a des alliés de Cash qui sont en train de bouder dans le silence parce que Cash a créé des alliés fictifs. Quand vous voyez le ministre proche de l'UDPS, ce sont les gens de l'UDPS qu'on a dit alliés de l'UDPS. À l'UNC, c'est la même chose. Ils ont créé des alliés qui sont de l'UNC qu'on a dit. Ils sont des alliés. Malheureusement, ils ont le pouvoir et quand on a quelque chose dans la bouche, les gens ne parlent pas trop. Mais rien, ils ne sont pas ensemble. Et au FCC, c'est Kabila qui s'impose. Ce n'est que dans la Mouka où il y a la démocratie, où les gens débattent, où ils émettent des avis. Mais je vous rassure que dans la prochaine réunion du Présidium, nos leaders vont faire le nécessaire pour... Qui va l'appeler? Bemba, M. Bemba? Comment? C'est M. Bemba qui appellera le Présidium? Effectivement. Donc comment il a fait trois mois, lui non plus, il n'a pas organisé le Présidium. À l'époque de Katumbi, il n'a pas organisé le Présidium, pas plus de deux fois. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas une relation « je t'aime, moi non plus » Non, moi je pense que nous devons
mettre de côté nos divergences, mettre de côté nos différences pour privilégier l'intérêt général. C'est ça, l'avocat. Qui serait bon. Effectivement, comme Maître Katende l'a dit, nous reconnaissons qu'il y a deux points de différence entre nos différents leaders. Mais ils démontrent aujourd'hui que malgré leurs différences, qu'ils peuvent se mettre ensemble pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple, c'est aller vers de vraies élections, des élections démocratiques. Alors, qui la question du porte-parole sera débattue dans la prochaine réunion du Présidium. Et j'ose croire que, et l'option, et la personne, on le saura très bientôt. Est-ce que ce sera Katumbi? Eh bien, je pense que les leaders au sein de la Mouka qui vont siéger dans le Présidium vont nous en dire plus. Est-ce que Mozuto et Katumbi ont des bons rapports aujourd'hui? Bien sûr, des très très bons rapports. Est-ce que vous croyez au retour de Kabila? Au fait, il y a deux questions qui se posent. Les retours de Kabila, c'est d'abord, est-ce juridiquement acceptable? Et deuxième question, est-ce politiquement acceptable? D'abord, politiquement, je pense que Joseph Kabila ne peut plus revenir parce que je ne vois pas ce peuple opter pour Kabila parce que l'échec de Chadari, c'était le rejet par le peuple et du bilan et de la politique et de la personne de Joseph Kabila. Mais en ce qui concerne le côté droit, le côté juridique, Joseph Kabila est éligible. Comment ça, il est éligible? Joseph Kabila est éligible parce que la question d'éligibilité est établi par l'article 5 de la Constitution, qui dit, qui donne les conditions pour être électeur et éligible. Et en ce qui concerne les cas d'inéligibilité, la Constitution renvoie au législateur. Et l'article 10 de la loi électorale établit les 10 cas d'inéligibilité, et nous ne retrouvons pas le cas du sénateur à vie. J'ai suivi certains constitutionnalistes et certains juristes donner des arguments sur l'inéligibilité de Kabila, des arguments que je trouve infondés. Comment c'est infondé l'article 108, le point 9? En quoi est-ce qu'il est infondé? L'article 108 traite de l'incompatibilité, des incompatibilités, parce qu'en réalité, le fond de l'article 108 en ce qui concerne les sénateurs à vie vient de l'article 6 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Et cet article parle d'incompatibilité. Or, l'incompatibilité est à différencier de l'inéligibilité. L'incompatibilité suppose que vous ayez deux fonctions, que vous cumuliez deux fonctions qui ne peuvent s'exercer concomitamment. Et l'incompatibilité suppose que vous devez faire en ces moments-là un choix. Donc, Joseph Kabila, je suis pas prêt de vous suivre, si cette fonction est incompatible, ça suppose qu'il doit d'abord être candidat, être élu. Lorsqu'il va maintenant détenir cette fonction de président de la République, au même moment que la fonction de sénateur à vie, ces fonctions, ces deux fonctions étant incompatibles, il devra opter. Est-ce que vous avez lu le point 9? Et l'article 110. Est-ce que vous avez lu le point 9? Bien sûr, bien sûr. Le point 9 parle, dit que la fonction des sénateurs, ça ne parle pas de sénateur à vie, la fonction des sénateurs et des députés est incompatible avec plusieurs fonctions, et le point 9 parle de tout autre mandat électif. Alors, donc on n'est pas élu en ce moment. Mais on est même pas élu en ce moment. Non, on attention, est non, attention. Vous êtes très intelligent, je le sais. Si nous, on disons, débattre, je vous dis que le fond vient de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Parce que cette loi dit que le sénateur à vie est soumis aux mêmes incompatibilités que tout sénateur. Ouais. Donc, si vous estimez que incompatibilité veut dire inéligibilité, donc ça veut dire que même un simple sénateur ne peut pas être candidat à la présidentielle. Comprenons-nous? Je pense que c'est cela. Or, la loi, l'article 110 de la Constitution dit ceci. Lorsqu'un sénateur ou un député se retrouve et nommé, par exemple, au niveau du gouvernement, s'il optait pour le gouvernement, sa fonction de sénateur ou de député est suspendue. Donc l'incompatibilité suppose que vous déteniez les deux fonctions et non pas en être candidat simplement. Donc ce n'est pas quand Kabila est candidat que la candidature devient incompatible. C'est le fait qu'il ait la fonction de président en dehors de la fonction de sénateur à vie qui crée l'incompatibilité, qui demande à ce qu'il opte pour une de fonction. Et la Constitution dit, l'article 110, que lorsqu'il opte pour l'autre fonction, sa fonction de sénateur ou de sénateur à vie est suspendue. J'aurais souhaité qu'on prenne beaucoup plus de temps sur la question, malheureusement, on n'en aura plus. Allez-y, maître.
Non, ce que je veux dire, c'est d'abord que M. Kabila ne peut pas démissionner de sa fonction de sénateur à vie. C'est un statut qu'il n'a pas choisi. Alors que les autres députés, les autres sénateurs, c'est un statut qu'ils ont choisi. Ici, c'est un statut qui lui est imposé par la Constitution. Ça veut dire en d'autres termes que tant qu'il est ancien président, ce statut-là lui colle à la peau. C'est la première chose. Il ne peut pas abdiquer ? Il ne peut pas. Okay. Il ne peut pas. Et ici, je pense que pour comprendre le tour de la question, il faut faire la combinaison des articles 104, 108, 220 et 70. Et quand vous faites la combinaison, vous allez voir que l'article 220, qui est l'article verrouillé, hein, vous allez vous rappeler, les combats de Martin Fayoulou ne changent pas mon 220. ne change pas mon 220. Et le 220 dit qu'on ne peut pas modifier les nombres et la durée, et la durée du mandat. Le président Kabila a déjà fait ses deux mandats. Et c'est amplement suffisant pour lui. Et il ne peut pas revenir pour avoir un autre mandat. Il ne peut pas revenir pour avoir un autre mandat. Je crois que sur le plan de la Constitution, il n'y a aucun problème qui se pose, à moins qu'on soit, comme on le voit au Congo, on interprète tout parce que c'est tel. Si c'est Jean-Claude, on va dire « oui, ça va ». Si ce n'est pas lui, on va dire « non, 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 lui, ça ne va pas ». Non, ce n'est pas de cette façon que les lois doivent fonctionner en République démocratique du Congo. Je suis vraiment dans l'obligation d'arrêter le débat. Plutôt, moi, je pense que ces débats, on mérite de le faire, parce que personnellement... J'aurais souhaité vous inviter à l'autre jour, peut-être lundi ou mardi, bien si sûr, vous avez le temps, vous revenez. Je serai parle. Présent. Alors, parce que, on aura des sujets. Oui, le bilan de Mozito et ça. Alors, je vous propose vendredi. Comme ça, comme c'est votre jour vendredi d'ailleurs, on vient vendredi, vous aussi vous êtes appelé dégagé vendredi. Mais je voudrais juste placer un mot. En une minute, en tout cas. Lorsque... Les tenants de cette thèse d'inéligibilité de Kabila parlent de ces différents articles. On aura peut-être le temps d'en discuter. Ces articles ne disent pas la même chose et ne se complètent même pas. Parce que l'article 70 interdit à un président qui a exercé un premier mandat d'en exercer un deuxième. Un président. Or, Joseph Kabila n'est plus un président. C'est un ancien président. Et quand on lit l'article, quand on lit le 22e amendement de la Constitution américaine, quand on lit, ce jour-là, on va en discuter, on va amener tout le monde, même la loi. Je vais finir par là. Non, non, attention. La Constitution américaine, le 22e amendement, dit clairement ceci. Nul ne peut exercer plus de deux mandats. C'est ce que dit la Constitution américaine. Nul. Ça ne dit pas un président qui a exercé deux mandats. On dit nul ne peut. Donc toute personne qui a eu à exercer deux mandats présidentiels ne pourra plus en exercer un troisième. Ouais, et les Américains ont pris cet amendement après que Franklin Delano Roosevelt ait exercer quatre mandats. Dans notre constitution, qui est un peu comme la constitution française, c'est qu'on interdit ces deux mandats consécutifs. Mais pourtant, on ne parle même pas des consécutifs dans la constitution. Non, attention, mais effectivement, il faut bien interpréter la constitution. Très bien. On va terminer ce débat. Je veux finir par là, parce que c'est très important peut-être qu'on voit le débat. Terminons. En France, on dit le président de la République peut exercer un mandat, est élu à un mandat de 5 ans. Et deuxième alinéa, on dit « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Comme on a parlé de « nul » et non de « président », on devait mettre le consécutif. Parce que si on disait « le président ne peut exercer plus de deux mandats », alors là, on est plus de notre matière. Effectivement, on va en débat ces jours-là. Non, mais je vais placer juste un petit mot. Sinon, on ne finira jamais. Non, non, juste un petit mot en disant tout simplement que, d'abord... Le consécutif de la Constitution française n'est pas repris dans la Constitution congolaise. On a terminé. Merci beaucoup. On prend rendez-vous vendredi. Maître Katende, vendredi aussi. Mesdames et messieurs, comme ce débat ne va pas finir, hein, de toute façon, jusqu'au vendredi, il sera toujours d'actualité. Mais il y a de vrais débats qui doivent se poser. Hein, c'est la question de la qualité démocratique des élections. Je ne défends pas Kabila en disant qu'il est éligible, mais je pense que c'est le peuple qui doit les sanctionner. On est là, on en parlera, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux. Excusez-nous pour vous avoir pris 8 minutes de plus. Hein. On vous retrouve déjà demain. Alors, la dernière rubrique, c'est que vous allez regarder les caméras et vous allez donner vos coordonnées, Maître Kivuata. Il y a des gens qui voudront continuer le débat avec vous. Pouvez-vous passer vos coordonnées, s'il vous plaît?
Uniquement les coordonnées? Oui, les adresses et tout ce que vous voulez. Bon, ok, je donne juste les coordonnées parce que je pensais que je pouvais encore lancer une pensée parce que ça risque de mal passer. Quand je défends la question de l'éligibilité de Kabila, je ne pense pas que Kabila peut se faire élire par le peuple, mais tout simplement, nous devons éviter de tronquer la Constitution, de tronquer nos lois de la République parce qu'on n'aimerait pas une personne. Évitons de personnaliser nos lois parce que l'état de droit en dépend. Et mes coordonnées, mon numéro, c'est les 081 18 98 250. 081 18 98 250. Maître Katende, la même chose. Jean-Claude Katende, mon numéro WhatsApp, c'est les 081 17 29 908. Merci. Excusez-nous pour les 9 minutes, en tout cas. On va le reprendre déjà le vendredi prochain, le débat avec Maître Kivuata et Maître Katende sur la question de retour de Kabila, oui ou non, et puis le bilan de Mozito. On en parlera, ça va être certainement sérieux. On aura des chiffres et des chiffres, parce que les gens de Mozito, ne vous en faites pas, ils en ont des chiffres. On en aura ici. Pas de problème. Et Maître Katende aussi, hein, ne vous en faites pas, c'est une mémoire qui vit. On amènera des chiffres, on en parlera. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Merci.